Merci de vous réveiller avec nous en direct sur Canal 3 Bélin. Bienvenue dans votre matinale Actu Matin. Salut, bonjour à tous. Au sommaire, une nouveauté dans la lutte contre les faits de corruption et la malgouvernance. Il faudra désormais compter avec cette unité désormais installée à la présidence de la République et dénommée Cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. Un dispositif créé pour renforcer la participation des citoyens au contrôle de la gestion des affaires publiques. Les attributions sont déclinées. La presse fait ce matin écho des décisions prises en Conseil des ministres hier mercredi. On fera le tour des unes dans quelques petites minutes. La presse qui, justement, rappelle aussi que l'institution d'un nouveau cadre de dialogue, à savoir la Commission nationale de concertation, de consultation, de négociation collective, a amené le gouvernement hier à dissoudre le Conseil national du dialogue social et ses démembrements. On va en parler. Ce matin, en plateau, vous aurez donc votre forum de discussion où il sera question de la protection des tortues marines. C'est quoi une tortue marine? Dans quel espace vivent ces tortues marines? On va en parler avec Josia Dossou-Baudrenou. Il est directeur de Nature Tropicale ONG. Il est notre invité au forum de discussion, accompagné donc avec les débatteurs en plateau. Vous aurez en fin d'édition votre revue de presse. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5000 francs dès la formule Access. LBM. Notre passion vous transporte. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici
pour sacrer son roi. La libération de tout instant. On pourrait en parler pendant des heures. C'est le sacre après 29 ans d'attente. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal Plus vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus dès votre réabonnement, à partir d'Access. Dans quelques petites secondes, vous aurez donc les informations à la une des parutions du jour. Et juste après, ce sera votre mini-journal sur Actu Matin. Donc voici les titres. Les anges gardiens de l'océan poussent un ouf de soulagement, précisément ceux qui s'investissent dans la protection des tortues marines au Bénin. L'État est venu en aide à deux d'entre elles avec des lots d'équipements de travail. C'est la direction de l'environnement et du climat qui a procédé à la remise hier au ministère du cadre vie et du développement durable de ces équipements. Et puis, les prix grimpent, les consommateurs fuient les étalages et les commerçants, eux, crient la mévente. C'est le triste spectacle qu'offrent la plupart des marchés de Cotonou en cette mi-janvier, quelques semaines après les fêtes de fin d'année. Les activités commerciales ne vont pas comme souhaité dans la métropole, nous dira Clément Atchadé qui a parcouru pour nous quelques marchés. Restez donc avec nous, voici pour vous la une. Allez, c'est le journal Fraternité qui nous rappelle que nous sommes à un an de la fin de la 8e législature et comme vous pouvez le voir, qui tout double pour l'opposition, les grands enjeux du prochain Parlement de transition. Et le journal nous présente trois images. La photo de Paul Rompé, secrétaire exécutif national du parti FCBE, Éric Rondété, président du parti Les Démocrates et puis Candide Azanaï, président du parti Restaurer l'Espoir. Lutte contre la corruption au Bénin, la CPD crie les agents publics plus que jamais, surveillés. Et puis à lire en page 4 du journal ce matin, les explications de Dr Vanessa Marie Ressou sur le syndrome des ovaires polykystiques. Ce ne sont pas des kystes, mais juste des follicules en excès. Les traitements sont variables, précise-t-elle. On va à la une du journal Le Matinal qui revient sur le conseil des ministres d'hier mercredi. Plus de 153 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires. Le Matinal qui précise qu'une cellule à la présidence de la République est créée contre la malgouvernance. Les raisons de la dissolution du Conseil national du dialogue social sont également évoquées. Et puis, préparatif du sommet Union africaine, Union européenne, talon échange avec le président du Conseil européen. L'autre vision, Conseil des ministres du 19 janvier 2022, le gouvernement dissout le Conseil national du dialogue social. Et puis l'Indépendant, le journal L'Indépendant, qui parle de la création à la présidence de la République de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations dans l'administration publique. CPD, l'arme atomique de Talon contre la corruption, la délinquance fiscale et les crimes économiques. Bénin intelligent à présent, dénonciation des faits de corruption, la présidence se dote d'une cellule d'analyse et de traitement. Un nouveau tour de vis, écrit le journal. Plus loin, le journal nous parle des cantines scolaires, des vivres sont détournés à Ségbana, à Djaouéré et Tanguéta. On va retrouver le quotidien Diakwata qui revient toujours sur l'actualité création de la CPS au Bénin. Le gouvernement prend de nouvelles mesures contre la corruption. Et puis le journal Le Matin, lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Le gouvernement prend de nouvelles mesures. Et puis plusieurs responsables de la CNCB sur la sellette. Une gabegie de 18 milliards de francs CFA relevée. C'est par rapport à ce rapport de la mission de contrôle parlementaire. Le challenge, construction d'un pôle commercial à Kourounou. Cette information, le stade de l'amitié est à raser dans 3 mois. Et c'est un branle-bas, hein, général, chez les locataires de boutiques, des boutiques qui ceinturent
le stade Général Mathieu Kérékou. Le quotidien d'Abarou qui nous renvoie directement à l'université de Parakou et nous informe que ça vole et que ça braque dangereusement. Ainsi se résume les unes du jour. On va retrouver en fin d'édition Narcissa Losset qui reviendra sur les informations relayées dans la presse ce matin. Restez avec nous tout de suite, les mini-journales. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, c'est le mini-journal sur Actu Matin, le premier rendez-vous de l'information sur la 3, de l'appui matériel aux organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des tortues marines au Bénin. Le geste est de la Direction générale de l'environnement et du climat qui a fait don de l'eau d'équipement à deux associations. Toutes deux sont connues pour leur engagement à la survie de cet écosystème. Le matériel est réceptionné. C'était mercredi dans les locaux du ministère du cadre de vie et du développement durable. On va retrouver Narcissa Losset et Henri Gantin pour les précisions. Derrière ce slogan des engagements et des actions, la dernière en date, la voici. La Direction générale de l'environnement et du climat qui apporte un appui matériel à des organisations non gouvernementales qui œuvrent pour la protection des tortues marines. Ces espèces, non seulement pour nos touristes au niveau des côtes, participent pleinement à notre économie, mais participent aussi à la régulation de notre écosystème. Malheureusement, ces espèces aujourd'hui, ces créatures impressionnantes, sont très très menacées du fait des pressions qui pèsent sur nos côtes. Je veux citer l'érosion côtière, l'occupation anarchique des plages, qui réduit leur habitat ou qui les détruit. Du coup, il faut renforcer la veille autour de cet écosystème, d'où cet appui en matériel aux associations connues pour ce travail. Le lot d'équipements remis est composé de tricycles, de gants, des bottes, des torches, des gilets, mais aussi des ordinateurs. Nous disons ainsi un grand merci à la Direction générale de l'environnement et du climat et la Convention d'Abidjan pour vos soutiens dans les actions de conservation des tortues marines au Bénin, en donnant un coup de main aux ONG par ces équipements et matériels qu'ils nous ont offerts en ce jour. Cette assistance matérielle fait suite à une série de formations organisées à l'intention de ces acteurs de terrain pour la protection des tortues marines. Des tortues qui, selon les spécialistes, sont de plusieurs espèces sur les côtes béninoises, longues de 125 km. On en vient maintenant à ce séminaire qui a réuni dans la journée du mardi des journalistes sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien en parler. William Cliquant. Oui, bonjour. Christian, dans les gens, bonjour, bonjour à tous. La rencontre s'est tenue à l'université d'Abomey-Calavi, notamment à l'école doctorale pluridisciplinaire. Elle a eu lieu en prélude au colloque international basé sur le thème 10 janvier et après, les détails avec Teddy Goudalo. Je suis maman pour elle. En face de Raymond Assogba, biologue et enseignant chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, des professionnels des médias. Les échanges portent essentiellement sur les mots et leur histoire pour écrire sur le vaudou et bien en parler. Oh, c'est un séminaire très important, c'est intéressant et il serait préférable qu'on ait ces champs de séminaire les fois à venir. Ça nous permet à nos journalistes de mieux choisir les mots quand on veut écrire sur le vaudou. Nous ne pouvons pas vouloir parler des réalités de chez nous et mal les exprimer encore. Ce serait comme si nous ne connaissions pas exactement d'où nous sommes venus et qui nous sommes vraiment, notre identité en question. J'étais un peu curieux de savoir qu'est-ce qu'ils veulent me dire de plus
dans le Vaudon que je ne connaissais pas. Mais j'ai été agréablement surpris de constater qu'il avait beaucoup de choses que j'ignorais et que j'utilisais de façon inconsciente. Ça, disons-le clairement. J'ai principalement retenu, d'après l'explication du professeur, deux choses. La première, c'est la source des mots que nous utilisons en tant que journalistes pour aborder, sinon pour expliquer le phénomène vaudou. Et la seconde chose, j'ai appris que nous devons repenser, sinon réadapter notre champ lexical en tant que journaliste pour pouvoir vulgariser ce phénomène qu'on appelle le vaudou. Le séminaire d'un jour est d'un intérêt capital selon les journalistes. Il se tient à la veille de la tenue du colloque international scientifique sur le thème le 10 janvier et après. Les participants s'en sortent outillés et promettent améliorer davantage leurs différentes productions. Il faut considérer que Vaudou est un concept. Vous prenez dans, c'est un concept que nos ancêtres ont utilisé pour justement organiser la vie ici. Et les journalistes doivent se pénétrer du fait qu'en utilisant les mots, ils redessinent les images de la sociabilité dans la tête des lecteurs. Les journalistes sont les garde-fous à l'inconséquence. Je pense que ces travaux, ce séminaire, même si je trouve qu'une journée sert un peu court pour pouvoir mieux appréhender les contours du vaudou, je pense que c'est quand même ces assises m'ont permis personnellement de pouvoir appréhender certaines choses que je ne connaissais pas forcément ou que j'utilisais de façon platonique. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une seconde édition qui s'annonce déjà intéressante. Merci à Teddy Goudalo. Après les fêtes de fin d'année, les usagers des marchés sont confrontés à d'énormes problèmes, des difficultés liées à la hausse des prix sur certains produits de grande consommation et la disparition même de la clientèle à un certain niveau. À cela s'ajoute la crainte des usagers sur la polémique autour des nouvelles taxes contenues dans la loi des finances gestion 2022. Clément Achadé et Rachidi Soubérou ont fait le tour de quelques marchés de Cotonou pour s'enquérir de la situation. Suivez plutôt la moisson. Quelques jours après les fêtes de fin d'année, voici le visage que présente le marché de Ouedonou à Cotonou. Des hangars vides. Les usagers des marchés se raréfient avec une clientèle quasi inexistante chez certaines vendeuses des produits de première nécessité. Dans les marchés de Fifadji Menotin et bien d'autres, le constat est presque identique. Si certains commerçants tentent d'expliquer la situation, d'autres y voient l'effet d'une morosité économique entraînée depuis l'année 2021. Comme les prix augmentent là, on essaie de faire avec puisqu'on ne peut pas rester à la maison. Rester à la maison maintenant, ça ne peut pas te donner à manger. Tout est cher et on sort pour trouver un peu. Des fois, mi délai sous mi tout doit dire que ni mi jan du comme non quoi 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 quoi. Donc, aussi je pense que c'est une situation particulière. Juste après les fêtes, c'est souvent comme ça. Donc, on s'y habitue. Problème ou pas. Si ça doit y être des bois, mais si ça y est qu'une autre bois, mais rien, mais on l'a eu, nous, quoi qu'à s'en occuper. Normalement, après la fête, les choses diminuent de prix, mais cette fois-ci, ça a monté. On ne saurait expliquer. Au-delà de la morosité économique évoquée par certains usagers, d'autres craignent la hausse de prix qui, selon eux, vient fragiliser le pouvoir d'achat des citoyens. Par ailleurs, ces femmes des marchés s'inquiètent de la polémique autour de nouvelles taxes et par conséquent tirent la sonnette d'alarme sur une éventuelle inflation. L'huile a augmenté de prix, surtout. L'huile, surtout. Bon. Le reste, on est habitué. On fera avec et le gouvernement aussi saura comment faire, vu la situation actuelle. Et donc, toi-même, on te met bien, on te met bien, on te met bien.
Ne va pas trop. Ce qu'on avait acheté avant les fêtes à 2000 francs, aujourd'hui je suis arrivée, on m'a dit que c'est à 2500. Par exemple, le plateau, on prenait ça à 1000 francs, parfois à 900. Mais maintenant, la dame a dit 1400. 2400. Vous voyez. Avec cette flambée de prix, les usagers et commerçants appellent les pouvoirs publics à intervenir pour une régulation des prix et une harmonisation des taxes afin d'éviter une asphyxie des relations vendeurs-acheteurs dans le marché local. Sur toutes choses, il y a augmentation maintenant de taxes et impôts. Même sur les factures SBE, il y en a. Et puis moi, je paie ça déjà, facture d'eau, tout ça là. Donc ça ne va pas nous surprendre comme c'est pour le bien du pays. Moi, j'ai constaté particulièrement un peu avant les fêtes, il y a eu augmentation de prix. Pendant les fêtes, il y a eu augmentation. Mais ce jour maintenant, je vois que les bonnes dames se laissent un peu pour pouvoir rattraper les caisses qui étaient un peu vides. Donc ça va maintenant. On demande aux autorités de diminuer un peu les prix de vente pour que ça nous arrange aussi, nous, les gens qui vendent et revendent. On demande aussi aux autorités de revoir les tasses et autres. Parce que la douane est chère aussi maintenant. On va nous aider pour diminuer un peu les prix de tasse. Que la souffrance qu'on a, n'a qu'à diminuer un peu. Une nouvelle année qui s'annonce dure au vu de cette situation dans les marchés. Le ministère en charge du commerce est donc invité à agir conformément à la réglementation en vigueur pour éviter l'impasse dans ces lieux d'échange commerciaux et surtout contribuer au renforcement du panier de la ménagère. Que la flambée des prix au marché, précisément à Dantokpa. Une autre situation inédite se développe au fil du temps dans la zone réservée à la vente des tomates. Les dames sont soumises au dictat d'un réseau d'escroqueries, lequel les propriétaires de maisons devant lesquelles les camions déchargent habituellement les marchandises profitent de cette activité même plus que les dames elles-mêmes, taxes sur chaque panier de tomates, sur les camions et des commissions à payer aux revendeurs. Le système est bien organisé. Le cri de cœur et l'appel de ces commerçantes, signé Idrissou Boukari dans ce reportage avec l'aide de Eder Nkwevi. Dans ce secteur de vente de tomates dans le marché international de Dantokpa, c'est un réseau d'escroquerie qui règne à maître sans partage. Le président Talon, on y va, c'est que nous n'y avons pas ton. Devant chaque maison où elles font décharger leurs marchandises avant de les livrer aux clients, un guichet occulte est ouvert aux vendeuses de tomates. La taxe à payer sur chaque panier est non négociable. Ce qui se passe maintenant est que par panier, ils prennent 100 francs et ils enlèvent plus de 18 tomates dans un seul panier. Les bonnes dames qui viennent acheter chez nous, ils prennent 500 par panier chez eux, même parfois 2000 s'il y a la vente. Par jour sur le marché de Dantokpa, il y a plus de 6000 paniers. Regardez. Avant ça, là, au moins ça, là, ça charge plus de 400 paniers. Alors qu'il y a déjà plus de 10 J9 qui sont déjà déchargés partis. Alors qu'un J9 charge quelque chose de 60 paniers. Non, mais quand nous avons un peu de galette, mais. Mais ça, on est toujours mal à l'aise pour ces agbawa. Fini ton les niveaux des agba. Bah, ouvert mi quoi. Fini soit galette mi ton dieu. Et puis, ça talon niwa se kurumi. Mais là, il y a quoi le pas de mais. Mona on pate vous là mais. Mona y a galette on pate vous à. Ti kurumi. Et ben ta ils ont fini un bien mes refis. Mais où est le dos? Et là, il y a ton mec agba. Il peut en venir bientôt, non bientôt. Il y a beaucoup de vers mon dos. Il y a beaucoup de yeux. Alors bon, ça se met bien, bon, bien, bon, vers ça mais. Sur le panier,
il y en a 3000. À Badger, comme tu es dans certains, là, mais là, voilà, voilà, Lydie. Je suis 500, à Hoatem, je suis 500. Bon, on l'a pas pu plaindre. Mais on va au Chomiga, au Gahi, au Mimbo, au Mimbo, au Mimbo, au Vessi, au Vessi. Des fois, il y a un baba, il y a un tas à l'yeux, il y a un goût de bon manégo, c'est bon, 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 c'est bon. Victime du dictat de ce réseau depuis quelques années, les commerçantes ont fini par rompre le silence. À la taxe, sur chaque panier de tomates, les camions de transport ont aussi leur prix. Rien n'échappe aux propriétaires de maisons ici. Une bonne affaire pour eux, ayant fait des activités de ces dames, une vache à lait qui commence à perdre du poids. En cas de résistance, la réaction est parfois violente. Et non, bien pour moi, moi, toi, on a bougé, hein. Et non, y'a non. Et non, roux, et non, y'a non. Oh, galège. Et non, oh, galège. Mais quand on galège, debout, on fia. Mais moi, toi, comme on a un nom, mais là, mon père, il m'a dit, mais non, bon, ça, non, c'est ouvert, dit. Là, mais là, on voit les alors. Soit pour quoi, à ma dépôt, quoi, joie, bah ouais. Et alors, on est dit, maman, où? Maman, où? Et alors, t'as qu'il y a quoi? Pour la route, t'as qu'il y a quoi? C'est cette portion d'espace qui leur sert désormais de site de déchargement et de vente de leurs tomates. Un lopin de terre qui n'a pas la capacité d'abriter le nombre de vendeuses, leurs marchandises et leurs clients. La société de gestion des marchés autonomes, ayant connaissance de la souffrance de ces dames, est appelée à jouer convenablement son rôle au fin de leur permettre de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Non, ce qu'on veut, on veut la libération. Nous sommes au nombre de 600 jusqu'à 700 personnes dans l'organisation. On demande, on supplie la SOGEMA pour qu'ils nous élargissent la place pour qu'on vende. Donc ce qu'on veut maintenant, l'État n'a qu'à nous aider à s'en sortir. Parce que nous, les vendeurs de tomates, on souffre. On souffre. On a fait des prêts dans les banques. On n'arrive même pas à payer. Un cri de cœur dont la réponse permettra de fermer définitivement les guichets ouverts dans l'ombre pour faire fortune et fragiliser le commerce de ces dames. Vivement que leur cri de cœur soit entendu. La période des fêtes de fin d'année qui va progressivement à son terme est un moment d'intense activité des professionnels de la coiffure. La clientèle afflue sans pour autant s'assurer de l'entretien des différents outils de travail qui sont utilisés. Une courte immersion dans les ateliers et on constate que la désinfection régulière et efficace de ces instruments et de ces matériels des coiffeurs et coiffeuses n'est pas toujours ce que les clients veulent. Melvin Aranzo, Teddy Goudalo et Henri Ganti. Au salon de coiffure, on trouve une variété d'instruments de travail. La tondeuse, le rasoir, le peigne, le ciseau, l'aiguille, le séchoir et la liste est exhaustive. Leur entretien paraît indispensable pour la santé des clients. La plupart des artisans rencontrés disposent d'une technique particulière pour maintenir l'hygiène autour de ces outils. Moi, j'ai opté à ceci. La démonstration, vous allumez comme ça et lorsque vous passez ça sous les dents, pour ceux qui ont encore une tombe là, elle brûle. Vous faites ça pendant une minute ou plus, c'est fini. Quand vous finissez avec un truc, jetez la lame utilisée. Si le client choisit l'alcool, vous nettoyez ça avec la plante. S'il est d'accord avec la brûlure, vous brûlez d'abord devant lui, avant de commencer par le service. Bon, moi, souvent, je lave ça, les peignes, aiguilles là. On prend alcool avec coton, on essuie ça. Parfois, on vend ça sans fond, on travaille et les clients emportent ça à la maison. On arrange de telle manière que ça ne pique pas les clients. Bon, les séchoirs, il est fait là. Nous aussi, on ne fait pas ça là. On a les techniciens qui viennent pour entretenir ça là. Selon ces professionnels de la coiffure, le manque d'entretien des matériels de travail entraîne la présence des microbes, non seulement sur les matériels, mais aussi dans leurs ongles. Le manque d'hygiène serait également la source des acnés qui se présentent souvent au menton et au bas de la nuque. Certaines tresseuses
100 n'entretient pas le matériel de tresse. Se réveiller chaque matin, mettre les peignes, les accessoires dans l'eau chaude, nettoyer là, c'est du travail. Moi, je ne garde rien, à part les mèches. Moi, je fréquente le coiffeur de mon quartier. Il fait l'entretien avec de l'alcool. L'atelier même, c'est aussi propre. Et les fauteuils sur lesquels on s'assoit, il nettoie ça proprement avec de l'eau de Javel. Chaque fois que je viens me coiffer, je vois toujours ces apprentis qui sont à pied d'œuvre. Celle que j'ai l'habitude de fréquenter, elle en a beaucoup d'apprentis, donc elle prend plus soin. La plupart du temps, moi, je lave ma tête à la maison. Parce qu'elles font aussi économie des shampoings ou autres. Il y en a qui utilisent même les savons Omo que nous utilisons. Elles vous utilisent ça juste pour pouvoir réduire le coût à leur niveau. Elles enlèvent le peigne, elles vous foutent ça dans les cheveux, c'est tout. C'est pour qu'elle a lavé ses cheveux avant de venir. Vous connaissez votre hygiène de vie, vous connaissez l'entretien que vous faites à vos cheveux. Moi, souvent, les aiguilles, je les apporte moi-même. Je préfère mettre les perruques. Le mieux chez les coiffeuses, c'est d'entretenir le matériel pour éviter les maladies. Pour les clients, il s'agit donc d'une question de santé publique et les acteurs de ce métier ont l'impérieux devoir de prendre soin de leur matériel au jour le jour. Et je vous souhaite à vous et à Christian Adarijan une bonne journée. Merci William Kikan, bonne journée. Dans la suite du programme, vous aurez les sports à suivre et ce sera juste après la page écho de ce jeudi, la page écho où nous ferons notre traditionnel tour des marchés qui vont s'animer ce jeudi, demain vendredi, samedi et dimanche prochain également sur l'ensemble du territoire national. Et il est déjà installé en plateau pour nous en parler, Clément Achadé. On va le retrouver juste après cette transition. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Sept heures, 37 minutes, et ce sont les marchés qui vont nous accueillir à partir de cet instant. Clément Achadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui Christian, voici les marchés qui s'animent au Bénin, c'est dans les tout prochains jours. Et à commencer par ce jeudi s'anime le marché de Djougou, le marché de Sinandé, le marché de Bimbérec aussi s'anime aujourd'hui, le marché de Kalalé, le marché de Wessé, le marché de Guéné, c'est le marché de Guéné, oui, c'est le marché de bétail de Guéné, j'y arrive. Et enfin, s'anime le marché de Matéri. Demain vendredi, les marchés de Koumé, Dogbo, Rwando, Karimaman, Malanville, Boïkon, Kwaou et Gogounou s'animent. Alors que samedi, les marchés d'Antokpa, Arkodira, Grand Popo, Ndali, le marché de Doumé dans la commune de Savalour, le marché d'Azeke, Seta Parakou et le marché de Kokokoji. Samedi, le week-end donc, s'anime le marché de Dantokpa, le marché de Kokokoji. Dimanche s'anime le marché de Danhué, le marché de Niki, le marché de Gobada, le marché de Wedemé, le marché de Sinandé revient encore dimanche et enfin le marché de Koumé. Et sans transition, voici pour vous quelques tendances de prix dans nos marchés. À Djougou, un peu comme à Bimbérec, l'huile d'arachide est à 1100 francs le litre, alors que le riz importé coûte dans ces deux marchés 600 francs le kilogramme. Le pétrole utilisé est à 500 francs le litre, alors que le piment long est à 400 francs le kilogramme. À Koumé, un peu comme aussi à Dogbo, le maïs blanc est à 225 francs le kilogramme, alors que l'huile végétale est à 800 francs le litre. Le gari dans ces deux marchés coûte actuellement 570 francs
le kilogramme. Le sorgho blanc est à 370 francs le kilogramme. À Dantokpa, le maïs, contrairement aux autres marchés, est à 425 francs le kilogramme, alors que le haricot blanc est à 600 francs, alors que le rouge est à 700 francs le kilogramme. Toujours à Dantokpa, hein, le petit mil est à 725 francs le kilogramme. À Neki, comme à Sinandé, les noix de coco sec sont à 300 francs le kilogramme, alors que le soja est à 700 francs. L'oignon est à 475 francs le kilogramme, alors que contrairement à Neki, à Sinandé, le soja est à 500 francs le kilogramme. Oui, c'est tout pour ce jeudi. Merci beaucoup Clément. Je vous en prie. Très bonne journée du jeudi. Et ce jeudi, vous aurez donc les sports juste après la transition que nous aurons. Et juste après les sports, ce sera le forum de discussion. Merci de prendre tous ces rendez-vous. La pause. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacorp. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, faut toujours respecter les grands d'Afrique, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. C'est un signe. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout un stade. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal Plus vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5000 francs dès la formule Access. LBM. Notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, faut toujours respecter les grands d'Afrique, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. C'est un signe. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout un stade. On pourrait en parler pendant des heures. C'est le sacre après 29 ans d'attente. Mais gagner la CAN,
Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal Plus vous amène au cœur de la Cannes. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus dès votre réabonnement à partir d'Access. Allez, l'information sportive sur Actu Matin ce jeudi, ce sera avec Ali Moumouni. Ali, bonjour. Bonjour Christian. Allez, ce jeudi, on va continuer de parler de l'actualité qui retient l'Afrique du football et le monde du football. Bien sûr, la grande messe de la, du football africain qui se déroule au Cameroun depuis déjà une semaine, Christian. Alors, les différentes rencontres comptant pour la troisième journée ont démarré depuis avant-hier. Et hier, c'était donc la rencontre entre les équipes du groupe D, et puis dans ce groupe, le Nigeria était donc face à la Guinée-Bissau, rencontre qui s'était disputée autour de 20h locale, bien sûr. Et les Nigérians se sont imposés facilement, Christian, à l'arrivée sur le score de 2-0, des buts inscrits par Ikong et puis Omar Sadiq, voilà, les Nigérians qui ont fait donc carton plein pour cette pour ce premier tour de la compétition en se posant donc pour les trois sorties face à l'Égypte, à la Guinée-Bissau et puis au Soudan. L'autre rencontre disputée hier, c'était donc entre les Égyptiens et puis les Soudanais. Les Égyptiens, à l'arrivée, se sont imposés de leur côté sur le score d'un petit 2-0, ce qui permet donc aux Égyptiens de se conforter dans leur position de deuxième de ce groupe avec 6 points, comme vous le voyez sur le tableau. Le Nigeria termine donc avec 9 points après 3 journées, plus un goal average de plus 5, carton plein donc pour les Nigérians qui sont très en forme. Et puis avec bien sûr quelqu'un qui reflète déjà cette forme du Nigeria, c'est bien sûr Moses Simon, le joueur de Nantes FC, qui hier quand même a mis en difficulté, si on peut le dire ainsi, l'équipe adverse. Voici donc pour ce qui concerne la rencontre disputée hier, aujourd'hui, Christian, pour terminer avec ces différentes affiches de la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. On aura donc le groupe dans le groupe et la rencontre entre la Sierra Leone et puis la Guinée équatoriale. Et puis à la même heure, donc à 17h, au stade Limbé, la Côte d'Ivoire qui sera face à l'Algérie. Un choc à ne pas manquer. Herman ne me dira pas le contraire. Alors, dans le groupe F, on aura les rencontres Gambie-Tunisie et puis le Mali, qui aura pour adversaire la Mauritanie, rencontre prévue pour se disputer à Douala à 20h. Christian, voici pour ce qui concerne la troisième et dernière journée des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Christian, demain, on fera le point des différentes équipes qualifiées et puis les affiches des huitièmes de finale qui certainement vont démarrer dans le week-end. Justement, cette Cannes qui tient, je dirais, toutes ses promesses. Ah oui, toutes ses promesses. C'est vrai qu'il y a eu des imperfections, surtout au niveau de l'arbitrage. Et puis, en dehors de ça, quand vous regardez, par exemple, cette rencontre entre le Maroc et le Gabon, il y a beaucoup à se dire. Quand vous regardez, par exemple, ce carton rouge, par exemple, de André Ayew, on peut comprendre que peut-être, comme nous sommes au début de cette expérimentation avec le VAR, c'est quand même difficile pour nos arbitres vraiment de s'y faire. Parce qu'on ne comprend pas comment on peut transmettre à un arbitre qui va vérifier le VAR une image figée d'une action, alors qu'on peut partir déjà de l'action. Du début de l'action jusqu'à sa fin. Et aussi ne pas augmenter en fait la vitesse de l'image. Parce qu'il faut montrer à l'image réelle, parce que le coup ne peut pas être fatal, que si la vitesse est augmentée. On a vu par exemple par le passé, lors de cette rencontre, ce derby de Liverpool, entre Everton et puis Liverpool, le coup fatal qu'a reçu Van Dijk face au gardien anglais Pickford. Le joueur est blessé pendant, je crois, environ 9 mois. Pourtant, le gardien n'a même pas reçu un seul carton jaune pour l'action. Je crois que c'est des trucs qu'il faut voir. Parce qu'il y a une certaine mauvaise appréciation des images de la VAR. Il faut qu'on forme nos arbitres. Oui, ça se poursuit, je suis sûr. Et puis la CAF, je suis sûr, fera le nécessaire pour qu'en fait, on arrive à passer en fait, cette étape, je dirais, si je peux me le permettre, d'amateurisme, parce que ce n'est que le début. On ne peut que l'admettre. D'accord. Avec le temps, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Allez, on y va. On parle maintenant de la Ligue professionnelle du Bénin, la 15e journée qui a été disputée hier. On montre ces petites images dans la zone C, en fait, de la rencontre entre Sitatunga et puis UPONM, rencontre qui s'est soldée sur le score à l'arrivée d'un but partout. Puis les deux buts sont inscrits
au cours de la deuxième période après une première partie sans but. Tatunga qui enregistre donc sa neuvième match nul de la saison, Christian, après 13 matchs disputés pour cette équipe. On poursuit donc dans cette zone C, tout en demandant bien sûr au dieu de la technique de nous aider. Bien sûr, dans cette zone C, Aspac s'est imposé hier sur le score de 2-1 face à l'AS Police. Sitatunga, je le disais tout à l'heure, a fini après un match nul, un neuvième match nul face à UPONM, et puis Eternel Omnisport s'est incliné face à l'équipe des Requins de l'Atlantique Square à l'arrivée, 2-0. Coton FC également s'est imposé à son adversaire du jour, Adidja, score à l'arrivée, 3-2. Christian, on fait un tour dans le Septentrion, c'est-à-dire la zone A, et parler bien sûr de ce classique entre les Buffles de Parakou et puis les Panthers FC de Djougou, rencontre qui s'est soldée à l'arrivée sur le score de 0-0. Je crois que ça, c'est un score beaucoup plus équilibré et qui va permettre quand même qu'on ne passe pas à la main, parce que si l'une des deux équipes arrivait à gagner, on sait ce que ça donne souvent entre les supporters. Alors l'AS Takoune s'est imposé de son côté à Tandi sur le score de 2-1. C'était face à Dynamo de Parakou, et puis Dynamique de Djougou s'est incliné à domicile face à Beke FC. Dans la zone B, on a les rencontres d'Adje FC Tonnerre, rencontre soldée par la victoire de Adje FC à l'arrivée sur le score de 3-1. Espoir de Savalou a battu son adversaire d'Energie FC, score à l'arrivée 2-1 pour Espoir de Savalou. L'Auto FC s'est imposé 2-0 face à l'Union Sportive Baboni, et Soleil FC et Dynamo d'Abomey se sont séparés 2-2 sur le score de 0-0. On finit avec la zone D où Azos s'est incliné à domicile face à Djefa FC, 0-1. Sobimap Sport et AS Vaud, score nul de 0-0. La Jeunesse Sportive de Paubert s'est imposée avant Comni Sport 1-0. Et les Dragons de Loumé sont tenus en échec sur le score 1-0 face à Ayema. Christian, voilà pour ce qui concerne les résultats des matchs disputés hier. Aujourd'hui, il y a juste une seule rencontre, et c'est bien sûr ce match entre Real Sport de Parakou et Damissa, prévu pour se disputer au stade municipal de Parakou, bien sûr, à partir de 16h. Christian, voilà donc ce qui concerne les différents résultats de la Ligue professionnelle du Bénin, comme temps pour, bien sûr, la 15e journée. Mmh. On aborde le sujet du jour, c'est bien sûr l'interview du jeudi. Christian, la semaine dernière, on a commencé par parler de ces clubs de l'élite qui travaillent pour la promotion des jeunes sur notre liste, l'AS Takoune, dont nous avions reçu l'interview pour l'interview du jeudi, le président de la commission de recrutement et de développement des jeunes, Aminoulay Mekiré, qui nous faisait le point de ce qui se fait et leurs ambitions. Aujourd'hui, nous irons dans la commune d'Abomey-Calavi pour évoquer le cas du club de Sitatunga FC. On en parlait tout à l'heure sur les images. Une équipe jeune créée il y a environ 5 ans et qui, après avoir parcouru les différentes toutes les étapes, est actuellement au niveau de l'élite depuis le début de cette saison. À cet effet, nous nous sommes rapprochés de l'entraîneur Yesufu Mikaïla, avec qui il a été question du travail qui se fait, partant bien sûr du projet du club pour lequel ils ont sollicité les services de cet entraîneur. Il évoque également dans cet entretien la situation du club qui découvre le haut niveau et qui se trouve actuellement en difficulté. Après 13 matchs, Sitatunga enregistre seulement 9 match nul pour 9 points au classement, et donc dernier bien sûr avec et 4 défaites après avec très peu de buts encaissés. Christian, rappelons que l'interview est réalisée hier juste avant le match qui a opposé cette équipe à UPONM, rencontre qui s'est soldée sur le score d'un but partout. On suit ici Yesufu Mikaïla, entraîneur de Sitatunga FC. Quand je suis venu dans cette équipe, le président m'a expliqué un peu le projet. C'est de travailler et de faire la promotion des jeunes. Donc c'est un président qui est beaucoup plus effacé. C'est un monsieur qui n'aime pas trop se montrer. Vous allez le remarquer que c'est quelqu'un qui n'aime pas trop s'afficher. Mais je pense que ce qu'il fait dans l'ombre est énorme. Parce que quand vous voyez l'équipe, depuis que l'équipe a commencé en amateur,
Il y a eu nos statuts au moins de 10 à 15 joueurs qui sont toujours là. Donc quand je suis venu m'expliquer le projet, ça m'a intéressé. Raison pour laquelle je me suis engagé avec le club. On a joué l'année passée, on a fait monter l'équipe. Cette année, nous sommes en Ligue professionnelle. Bon, la Ligue professionnelle n'est pas nouveau pour moi. Seulement que parce que pour avoir déjà entraîné dans d'autres clubs, donc ce n'est pas ma première fois d'entraîner en première division. Et c'est les jeunes qui viennent de découvrir la Ligue professionnelle. Donc je pense qu'ils sont en train de comprendre que ce n'est pas la même chose. Bon, ce n'est pas la même, pas en termes de jeu, pas sur le plan technique ou bien tactique, mais c'est beaucoup plus sur les détails que ça se joue. Donc je pense qu'actuellement, on a commencé très mal, vous le savez très bien. Je pense qu'actuellement, beaucoup sont en train de comprendre. Beaucoup de ces jeunes sont en train de comprendre qu'il faut qu'ils grandissent dans la tête. Et ce n'est que ça qui peut les aider à venir au niveau de leurs grands frères. Comme je viens de le dire, quand vous voyez nos matchs, c'est pas des équipes que nous croisons, ils ne nous dominent pas. Parfois même, tout le monde voit que ce match, on a le match en main, mais c'est sur les petits détails qu'on perd souvent les matchs ou bien qu'on encaisse les buts. Donc je pense qu'avec le temps, ces jeunes-là vont comprendre, ils sont en train de comprendre déjà. Avec le temps, je pense qu'ils vont comprendre, et savoir que quand on met nos scores, comment gérer le score, ou bien quand vous voulez rester dans l'élite, il y a des petits détails qu'ils sont en train de comprendre aujourd'hui. Surtout avec l'arrivée de l'expérimenté Billy Jonas que le président a pris comme le DS. Voilà un monsieur qui a aussi beaucoup apporté pour le club. Je pense qu'avec avec tout ça, ils sont en train de comprendre beaucoup de choses. Je sais que d'ici à là, vous allez revoir le vrai visage de Sitatonga. Bon, je pense que c'est un peu à tous les niveaux. Nous n'allons pas incriminer seulement les attaquants. Peut-être que pourquoi pas à mon niveau. Peut-être que le plan de jeu de cette année ou bien la méthode de travail n'a pas marché. Nous sommes en train de chercher tous, surtout avec l'arrivée du DS et Billy Jonas. Nous sommes tous en train de chercher les solutions. Et je pense que les solutions sont en train d'être trouvées. Et avec le temps, je pense que malheureusement que l'objectif de la saison est en train d'être... On est en train de passer à côté de l'objectif. Mais on fera avec. Et c'est de faire tout possible actuellement pour pouvoir maintenir le club dans l'élite, pour ne pas retourner en Ligue 3. Pour le moment, les objectifs ne sont pas encore redéfinis. Parce qu'il faut d'abord jouer le match de ce soir contre UPUNM, parce que nous avons encore 4 matchs. Quand on fait les calculs ici, nous prenons 12 points, plus les 8 points que nous avons actuellement. Je pense qu'on peut espérer quelque chose. Donc ce n'est qu'après ce match-là qu'on va redéfinir encore les objectifs et voir maintenant ce qu'il faut fixer comme objectif pour la Ligue Pro Suite. Ouais. Alors... Oui, sûrement, parce que ça là, ce volet-là est incombe maintenant au DS. Je pense que le DS est venu aussi avec un projet et qui cadre correctement avec les ambitions du président. Et je pense qu'ensemble, ils vont revoir l'effectif. Ce n'est pas. Nous ne sommes pas dans l'optique de renvoyer et de ramener nécessairement les joueurs expérimentés, tout ça. Non. Nous sommes en train de faire un travail de base. Et à court et à long terme. Je pense qu'avec l'arrivée du DS,
Je pense que on va tous revoir les choses et voir à quel niveau il faut quand même ramener d'autres jeunes, peut-être qui ont déjà peut-être joué le championnat ailleurs, pour pouvoir quand même redevenir le dernier type pour ne pas être surpris par la suite. Moi, je voulais d'abord remercier le président qui fait beaucoup de choses. Je puis vous dire que c'est rare des présidents que je n'ai jamais su qu'il y a un président comme ça qui, avec une jeune équipe, qui peut mettre assez de moyens. Alors, je vous parle, il ne doit rien aux enfants. Il ne doit pratiquement rien aux enfants. Et c'est rare de trouver un président qui, actuellement, occupe la dernière place, quand même, qui respecte, je pense, à mon avis, ses engagements vis-à-vis des joueurs. Donc, je le remercie beaucoup. Et je pense que si on continue dans le même projet, je pense que d'ici 2 ans, Sita Tonga va surprendre au Bénin. Allez, vous l'avez bien compris, les objectifs seront certainement redéfinis pour la suite de la compétition. Bien sûr, l'équipe qui a enregistré un nouveau match nul hier face à UPNM, un but partout. Et donc, désormais, Sita Tonga, c'est 13 matchs disputés pour 9 matchs nuls et puis 4 défaites. Dernier au classement avec seulement 9 points. Une équipe de jeunes, Sita Tonga, est actuellement en difficulté et pour sa première au haut niveau. Et certainement que les choses vont s'améliorer lors de la deuxième phase du championnat. C'est bien sûr la Ligue Pro Suite, certainement pour cette équipe qui compte bien sûr se maintenir au sein de l'élite, Christian. Voilà les informations ramenées du terrain avec ce document présenté, un document très intéressant. En tout cas, on voit l'évolution des différents clubs qui évoluent dans la Ligue professionnelle. Et dites-nous, hier, vous étiez du côté du stade du campus? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce joueur et cet arbitre, le joueur qui a porté un coup à l'arbitre? Vous savez, c'est des situations qui arrivent souvent compte tenu de l'émotion, parce que quand vous êtes aussi sur les aires de jeu, c'est justement pour ça qu'on est à un niveau professionnel. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être prises, surtout par rapport à l'union aujourd'hui des anciens footballeurs professionnels du Bénin, qui, par rapport à ce qu'ils ont dit dans leur cahier de charge, essayeront avec le temps de former en fait le joueur et puis en fait les sensibiliser sur le comportement d'un joueur professionnel. C'est vrai que c'est des situations qui arrivent et le joueur n'a pas su se contrôler. Et c'est arrivé ainsi. Bon, voilà, on souhaite que ça n'arrive plus. Et on parle aussi également de ces débordements aussi des arbitres parfois. Et bon, ce n'est c'était, pas, ce n'est pas quel une type raison. De coup. Il percute, crochet, c'était. Décrivez-nous un peu la scène. Non, il est venu sur le terrain, c'est ça? Non, bon, en fait, les joueurs se sont quand même beaucoup plus, je dirais, plaints. Puisque j'étais là même d'ailleurs sur une autre action bien avant. La scène où le joueur, on le voyait aller au marquage, mais vous allez penser que c'est la deuxième guerre mondiale, carrément, quoi. Et c'est ce même joueur qui porte des coups à la Non, c'est pas ce même joueur, c'est un autre joueur. Mais oui, c'est un autre joueur. Mais je crois que c'est une situation qu'il faut éviter et beaucoup plus décourager, parce que c'est pas professionnel, quel que soit en fait. L'arbitre également est humain et il peut commettre. Alors, quelle a été la réaction de l'arbitre après ce coup? Un carton? Une expulsion du joueur? Je pense que par rapport à ce sujet, il faut des sanctions à la hauteur de cette forfaiture-là. Il n'y a aucune pression, aucune tension, aucune passeur qui puisse amener un joueur à porter de quoi un arbitre. Mais il faut en même temps, de l'autre côté aussi, voir qui sont les arbitres qui ont commis sur le terrain pour siffler ces matchs-là. Certainement que la Ligue va statuer sur ces. Il faut statuer sur ces cas pour qu'on n'en arrive plus. Vous avez parlé tantôt de la VAR à l'africaine, où on décide de montrer ce qu'on veut à l'arbitre qui décide. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut à la fois corriger sur le terrain. Déjà que la Ligue Pro au Bénin prend de l'ampleur, ça évolue, et on a beaucoup de c'est pas, on a de bonnes nouvelles de cette Ligue Pro là. Je pense qu'il faut travailler également à professionnaliser le football ici chez nous au Bénin. Alors, vous êtes sportif, vous adorez le football. Qu'est-ce que cela vous inspire, cet acte posé par ce joueur, même si on a des choses à reprocher au comportement des arbitres sur le terrain? Cela fait remonter à cette lointaine époque où des joueurs, des équipes portent la main non seulement sur les arbitres, mais sur les adversaires, également sur les supporters qui sont venus porter du soutien à leur équipe. Et aujourd'hui, quand on arrive à cet état de choses, ça montre que ce joueur n'est pas encore imbibé
des réalités d'aujourd'hui, des réalités du football aujourd'hui. Comment on peut porter la main sur un arbitre? Ça veut dire qu'un jour, il va arriver que le président de la fédération ou ses collaborateurs soient sur le terrain et puis un joueur qui se sent blessé par le sifflet de l'arbitre aille porter la main sur le président et ses collaborateurs. C'est vrai, les arbitres qu'on a, et ce n'est pas seulement au Bénin, hein. On voit comment ça se passe aussi au niveau de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est vrai, il faut aussi discipliner les arbitres, les former régulièrement parce qu'il y a l'International Board qui, tout le temps, essaie de revoir les choses, les tests que les arbitres n'appliquent pas forcément ou bien ils laissent passer des actions ou des actes que les joueurs qualifient. Une mauvaise appréciation du fait de jeu. Et là, il faut vraiment une sanction contre l'arbitrage et les joueurs. Oui, Akibé, bonjour, bienvenue. Oui, une situation inédite, hein, hier sur le gazon synthétique du campus à Bomé-Calavi lors de cette rencontre où un joueur s'est vu, je ne sais pas, développer des airs de Cassius Clay qui a porté coup à l'arbitre. C'est dommage qu'on en parle parce qu'en réalité, je crois que les acteurs du football et même les acteurs du sport en général, chacun a son rôle. Les joueurs sur l'aire de jeu courent après le ballon et avec eux, ils ont des arbitres. Un arbitre principal et puis des assistants. Je crois que si la pression devait être apportée par Ali, c'est après le match. Et dans les vestiaires, quand les deux capitaines ont été appelés pour signer la feuille de match, que le fameux capitaine dont il parle ce matin râlait et est allé jusqu'à porter un coup au deuxième assistant. Ça ne devrait pas s'expliquer. Ça dit aucune raison, il n'y a aucun motif qui explique qu'un joueur porte la main à un arbitre. Nulle part. Je crois que il va falloir que la Ligue professionnelle prenne ses responsabilités, que ce joueur soit qu'il soit puni avec la dernière rigueur, même radié de cette affaire-là. Parce que, eh bien, s'il veut, il faut rejoindre le loco, la Panthère, notre boxeur qui rafle des ceintures, qu'il le rejoigne. Parce que c'est inadmissible qu'on dise qu'un joueur porte la main à un assistant. Non. Si vous estimez que l'arbitrage n'est pas à la hauteur de ce que vous pensiez, eh bien, il y a des réserves techniques qu'on porte. Ça a été prévu par les dispositions qui régulent le sport dans sa généralité. Mais aller au-delà et porter un coup à un arbitre, je crois que c'est trop dépassé. Pour dire les choses de façon un peu plus simple. Et ce joueur, pour les infos que j'ai, je crois qu'il a du mal à maîtriser ses nerfs. Et quand on lui donne le brassard à quelqu'un qui n'arrive pas à maîtriser ses nerfs, il va contaminer le reste de la troupe. Dans l'autre des cas, qu'il ait le brassard ou qu'il n'ait pas le brassard, c'est que c'est un joueur qui porte un coup à un arbitre assistant. Et quand c'est comme ça, comme Ali l'a proposé tout à l'heure, il va falloir que la Ligue professionnelle de football puisse sévir avec la dernière rigueur pour éviter que les arbitres deviennent la risée des joueurs parce que malheureusement l'impression qu'on donne c'est que ça ne se comporte pas bien, c'est-à-dire que la performance des arbitres n'est pas intéressante. Au même moment, n'oublions pas que eux-mêmes leur performance n'est pas aussi intéressante. Si un joueur manque un but, si le président doit se comporter comme lui se comporte parce qu'il estime que le coup sifflé n'est pas bon, ça veut dire que finalement, on est en train de former des pugilistes. Donc, du coup, ce monsieur n'a pas sa place sur un terrain de football. Et ce qui est même plus déplorable, c'est que c'est même après le match, c'est-à-dire dans les vestiaires, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui peut expliquer, qu'est-ce qui peut motiver cette réaction de ce joueur qui va jusqu'à porter la main à un arbitre assistant. Encore que c'était le moment idéal pour porter réserve. Exactement. Le match, exactement. Le moment où il faut porter réserve. Mais lui, ça m'a dit porter réserve. En fait, c'est d'agresser la but. Non. Et c'est un dossier qu'il faut construire de très près parce que si on ne sanctionne pas ce joueur, je crains que ça fasse émule et que d'autres un peu aussi, comme on a sanctionné le président d'un club, il faut sanctionner si le président d'un club se plaint de l'arbitrage et on perd le conservatoire, on l'évite d'aller dans les stades. Je crois que ça va de pair quoi. Ce joueur carrément déjà que le fait d'avoir porté le coup
en vestiaire, c'est une circonstance aggravante. C'est ce qu'il faut. Il faut, comme il a dit, on va se le très près. Et peut-être même faire un contrôle sur ce joueur-là pour savoir comment il est assez vivant, comment il est assez vivant. Et on fait de lui un capitaine. Même peut-être questionner aussi comment dit-on, l'entraîneur et tout, pour voir comment il fait de celui-là capitaine de son équipe. Et puis l'arbitre voilà. Peut porter plainte contre lui au tribunal. Oui. Moi, je ne comprends pas que le Bénin soit encore à la recherche des pugilistes à la taille de Soweto, de Georges Boko, et qu'on retrouve quelqu'un de ce talent-là en train de jouer au football. Alors qu'on a les Jeux Olympiques auxquels il faut assister et on veut défendre. Je vais même aller loin. La panthère loco, il est là. Il a besoin de challenger. Il a besoin de challenger. Donc, si on en a comme ça au niveau des PUNM, je crois qu'on n'a plus besoin de ce challenger. Oui, alors on le récupère. On l'oriente. Comme vous l'avez dit, il faut qu'il rattache les tampons. Comme je le disais tout à l'heure, je l'ai remarqué quand j'étais juste au niveau de la ligne de touche où il y avait un de ses coéquipiers qui était venu agresser un autre joueur. Je ne comprends pas en fait notre football. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour corriger notre football, parce que oui, il y a une sorte, je dirais, d'agressivité, mais quand on a des matchs par exemple internationaux, on ne remarque même pas cette agressivité au niveau des joueurs. Et je crois que cette agressivité, les joueurs dépensent plus leur énergie en étant beaucoup plus violent vis-à-vis de leurs adversaires, au lieu d'utiliser cette énergie pour produire du beau jeu. C'est beaucoup plus dramatique. Restez loin de c'est beaucoup plus dramatique, puisque moi j'avais même interpellé l'arbitre et je disais à l'arbitre, ouais, un capitaine qui vient et qui insulte déjà votre assistant, puisque c'était devant moi bien avant la scène que cette scène supposée dans le vestiaire, et qui insulte, je disais à l'arbitre qui était là, qui insulte votre assistant. Qu'il ait le brassard ou pas, il faut lui donner un carton jaune ou un carton rouge. Ah ouais, on a vu à la CAN un joueur qui a reçu, un capitaine qui a reçu un carton rouge, oui, Naby Keita, bien sûr. Et juste après, il disait qu'il est venu en tant que capitaine, mais il a reçu un carton jaune. C'est une dame qui a donné le carton en plus. Donc, ouais, je crois que l'arbitre aurait dû prendre, même si elle ne savait depuis là, déjà, malheureusement, sur le terrain. S'il avait fait plus tôt, il n'aurait pas reçu l'hypercute à l'hypercute. Et il va falloir revenir sur ce qu'il disait par rapport au fond de notre football. Peut-être que s'il avait fait sur le terrain, c'est sur le terrain qu'il aurait reçu ses hypercutes pour le ramener un peu. Non, on va finir avec le sujet. Comme elle a dit ce matin, ce joueur mérite d'être véritablement sanctionné. Il ne faudrait pas qu'il y ait, comme d'habitude, je crois, des comportements sentimentaux, parce que voilà, le président du club serait un membre de l'exécutif de la fédération. Non. Je crois qu'il va, il n'y a pas de complaisance. Non. Ce monsieur, il mérite vraiment d'être sanctionné avec la dernière rigueur pour éviter que d'autres joueurs qui semblent vouloir limiter, parce qu'on a de l'impression, comme je l'ai dit, que l'arbitrage. Non, il va falloir qu'on mette un terme à cette affaire-là. Quand vous êtes footballeur, vous contentez de jouer. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, vous avez la possibilité de porter une réserve technique. Si vous ne le faites pas, que vous comportez de cette manière comme quelqu'un qui vient d'une autre planète, franchement, il va falloir qu'on puisse mettre les choses à l'endroit, extirper du lot des joueurs, de notre football, des joueurs tels que celui d'hier, donc du côté de PNM, pour nous éviter que les arbitres aient la peur au ventre lorsqu'ils ont le sifflet à la bouche pour officier les rencontres de football. Franchement, le football est professionnel désormais chez nous. Il faut sortir les mauvais de cette coup-là pour que nous ayons vraiment l'envie d'aller au stade. Peut-être même que ce que dit Ali ce matin sur le terrain, ici, ou peut-être moi, ça peut encore être fatal. Vous retrouvez peut-être à l'occasion de match de PNM, ce garçon est capable encore de vous agresser. Non, c'est ce que je dis, ce qui est curieux. On l'avait vu joueur de la SPAC, ce garçon, bien sûr, ce qui est curieux, on l'avait vu joueur de la SPAC, mais il était, je dirais, après sa blessure, il est devenu un joueur de second rang, qui n'avait pas beaucoup suffisamment de temps de jeu parce qu'il a quitté la SPAC pour PNM et il n'était pas capitaine, et c'était un joueur beaucoup plus silencieux. Quand on le mettait, même sur le terrain, on ne le remarquait pas, mais je le vois maintenant avec PNM, peut-être c'est le brassard qui c'est le brassard, en fait, tu sais, ça lui donne des airs. Merci beaucoup. Merci à vous, Ali Moumouni. Merci à vous, chers messieurs, pour nos échanges sur ce capitaine, je ne sais pas. Pugiliste, voilà. Merci. Allez, Ali, on vous retrouve demain pour l'espoir. Ce matin, on va aborder un sujet environnement, la sauvegarde des espèces. J'apporte une précision. Il paraît que selon les rapports des officiels, ce n'est pas Guido, capitaine du club, et puis même l'auteur du forfait, mais plutôt le SA du club, un truc du genre. De toute façon, il y a eu des coups. Celui qui l'a fait,
qu'il soit identifié. Si c'est le directeur administratif qu'il a fait, il va être capitaine. Identifié. Si c'est le capitaine, parce qu'on estime qu'il faut peut-être, mettons quoi, bon, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, il faut quand même sanctionner. Ce dossier mérite d'avoir une suite. Et la suite, c'est qu'on doit savoir de façon claire que ce qui a pu se passer hier du côté du campus d'Abomey-Calavi a permis de mettre les choses à l'endroit. Si on ne le fait pas, franchement, j'avoue que ça va être vraiment un eau pourrie qu'on est en train de couver et ça va s'embraser et ce n'est pas intéressant. Des supporters des BUF et de l'auto sont en train de couper en ce moment à la prison civile parce que, eh bien, ils sont mal comportés la saison sportive dernière. Oui. S'il y a lieu de mettre les auteurs, de sanctionner les auteurs, il faut le faire. Voilà. Pas de complaisance lorsqu'il y a des coups et blessures volontaires, parce que c'est un coup qui est parti. On n'est pas sur un ring, nous sommes sur un terrain de football, nous sommes dans les vestiaires. Et les vestiaires, c'est pour finaliser la rencontre qui a commencé sur l'aire de jeu. Mm-hmm. Et quand ça arrive, quand ça se passe comme ça, franchement, il n'y a pas de raison pour qu'on ne sanctionne pas. Il faut sanctionner. Et avec la dernière rigueur. Avec la dernière rigueur, il y a Sa Majesté Dakini Zeroui, roi de Tofor, qui vous soutient ce matin par rapport à ce débat, puisque Tofor dispose désormais d'un très beau stade. Exactement. Voilà, et les matchs, les rencontres, Kennedy. Voilà, très beau stade. Très beau stade. Merci beaucoup à Sa Majesté Dakini Zeroui. On va livrer un match contre les journalistes de Tofor. Allez, on va observer une pause, le temps d'installer le plateau de la discussion autour de la sauvegarde des espèces et des espaces menacés. Ce jeudi, le forum s'intéresse à ces animaux convoités, mais qui sont menacés d'extinction. Immersion donc dans le milieu des tortues marines. Nous irons au contact de ce type de tortue avec notre invité, Josea Dossou-Boudrenou. Il est directeur d'une structure nature tropicale ONG. Le plateau environnement, c'est après la pause. Attention, attention, la COVID-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la COVID-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3television.com, fraternitefm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. La libération de tout instant. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal Plus vous amène au cœur de la CAN. En ce moment, profitez de 15 jours offerts à tout Canal Plus dès votre réabonnement à partir d'Access.
Allez, ce jeudi, on va se consacrer aux tortues marines avec notre invité, Josea Dosubodrenou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation. Eh bien, vous nous emmènerez au contact de cette espèce de tortue. D'abord, on va faire un petit point avec cette réalisation de Assion Mokanyasio. Nous serons de retour pour nos discussions. Suivons. Nature Tropicale ONG a organisé les Journées nationales des tortues marines les 18 et 15 janvier 2022, respectivement à Grand Popo et à Cotonou. La 18e édition a eu lieu. Au menu de ces journées, la protection des tortues marines et à chaque fois une caravane qui tient lieu de sensibilisation à l'endroit des populations. Nous devons rappeler aux populations que la plupart de nos plages constituent des aires de reproduction. Ça veut dire que des tortues viennent pour pondre leurs œufs sur les plages. Il arrive que des visiteurs des plages retrouvent des tortues la nuit, par exemple, ou retrouvent des œufs sur les plages et emportent. À partir de désormais, ça veut dire que maintenant, si on prend quelqu'un en flagrant délit en train de déterrer des œufs, emporter les œufs, collecter les bébés, c'est que ceux-là ne seront plus pardonnés. C'est-à-dire que l'appel à lancer, c'est la prise de conscience de tous les acteurs pour comprendre que les tortues sont intégralement protégées au niveau international et au niveau du Bénin. Et la prise de décision de création d'aires marines donne un atout pour cette préservation. Et chacun doit pouvoir respecter. Le directeur de Nature Tropicale ONG affirme que les tortues peuvent être un atout pour le développement local. Ces espèces peuvent donc attirer des touristes et rapporter ainsi des ressources à ceux qui font le travail. Josea Dosubodrenou salue la décision de l'État de créer des aires marines. La reconnaissance officielle de ces aires marines par l'État montre la volonté de l'État de contribuer à la préservation des espèces menacées telles que les tortues marines, les baleines, les dauphins, les lamantins d'Afrique par exemple qui se retrouvent dans les puits d'eau. Avec l'espace protégé, le gouvernement mettra plus de moyens à ces acteurs qui sont sur le terrain pour pouvoir mieux préserver ces espèces. La protection des tortues marines a commencé avec Nature Tropicale ONG il y a 18 ans. Et l'ONG entend poursuivre longtemps encore ses actions sur le terrain pour montrer aux Béninois l'importance de la préservation des tortues. Voilà, une très belle tortue pour boucler ce reportage constat. Oui, cher monsieur, il est dit que les tortues marines sont menacées de disparition chez nous. Herman Aniambousso. Oui, et celui que nous avons sur ce plateau, sur le plateau ce matin, monsieur Bourdien, on l'a vu mener ce combat depuis de vieille date. Et à ce moment-là, rappelé dans son élément, ça fait 18 ans que l'ONG Nature Tropicale a commencé ce combat-là. C'est vrai qu'on voit de moins en moins M. Boudjranou devant les médias. Je crois qu'il préfère faire des communications de proximité, alors qu'on aurait bien voulu que sur les médias, il puisse nous dire le combat qui a commencé depuis 18 ans, qu'est-ce que ça a donné? Parce que quand on me dit, par exemple, que la tortue qui produit le wajo, hein, le wajo, wa, c'est la tortue, et donc jo, c'est son... c'est l'huile, les graisses, voilà, que cette tortue a disparu totalement, alors qu'on dit que le wajo est utilisé en médecine en général. C'est vrai que quand nous on était jeunes, on ne pouvait pas nous donner cette huile-là avec un peu de miel pour guérir de certaines maladies et tout. Il n'y en a plus aujourd'hui. Je pense que, est-ce qu'il ne faut pas demander finalement à M. Boudjian si la lutte n'a pas échoué? Parce que quand on a commencé l'outil à 18 ans, et qu'aujourd'hui on assiste à une disparition de certaines espèces de tortues, pour ma part, c'est qu'il y a encore autre chose à faire. Peut-être interpeller également l'action publique, l'État, pour que ces éléments d'avoir disparition ne puissent pas disparaître totalement, parce que ce n'est pas bien pour l'être humain que nous sommes, pour l'environnement que nous sommes censés protéger. Alors, est-ce que, M. Boudrenou, nous avons de ces tortues chez nous, sur nos côtes, dans nos eaux? Bien sûr, je crois que d'abord je vous remercie, oui. Canal 3, pour cette opportunité. Et on n'a pas disparu des médias, mais nous avons essayé de préparer une relève. Et pour certaines émissions, il y a toujours des gens disponibles pour pouvoir contribuer. Et l'opportunité que vous me donnez, je crois que je vous remercie pour cela. Et profitez et dites aux téléspectateurs que
Et pour la question concernant est-ce qu'on a encore des tortues, et effectivement, on a des tortues. Mmh. Il faut faire remarquer que nous avons commencé la lutte il y a plus de 18 ans. Ce qui est montré, nous avons célébré la 18e édition de la journée des tortues marines. Mais avant, c'est-à-dire il y a 27 ans, on a commencé sur les tortues marines, c'est que sur le littoral du Bénin, il n'y a pas un centimètre d'espace protégé. Deuxièmement, il faut remarquer que nous avons quatre espèces de tortues. Vous avez bien cité, je crois que c'est assez indicateur, la tortue appelée roi en langue locale, ou agbosegue, ou tortue lutte en français, Dermochelys, c'est une tortue impressionnante. C'est une tortue qui fait entre 400 et 800 kilos. Wow. Une seule tortue. Wow. C'est une tortue qui n'a pas de carapace normalement. Ça a une couche de graisse sur le dos. Et quand cette tortue est tuée, simplement les pêcheurs mettent ce qu'on dit la carapace, on met ça au soleil à la plage ou quelque part et ça goûte. C'est dit que la graisse fond et la graisse est récupérée. Cette huile était utilisée dans la médecine locale, médecine traditionnelle. C'est très connu dans la région côtière, l'huile de tortue. Vous entendez dans la circulation, avant on parlait de Roadjo à Sanjo, c'est l'huile de tortue. Mais la lutte a porté ou pas, mais il y a 4 ans, on a plus de 7 tortues qui viennent chez nous. On peut expliquer par beaucoup d'autres phénomènes, mais c'est que cette espèce est en train de disparaître. Très menacée au Bénin. Nous avons ce qu'on appelle la tortue olivâtre. La tortue olivâtre, c'est la commune. C'est une tortue qui peut atteindre jusqu'à 50, 70 kilos et qui se retrouve sur nos plages. Et c'est cette tortue qui pond le plus. C'est ça. Elle vient tous les ans pour pondre sur nos plages. Mais aucun centimètre de plage protégée. Quand tortue vient, c'est la viande. Elles sont tuées, elles sont consommées. Il faut remarquer que c'est seulement les femelles qui viennent sur les plages. Les mâles ne viennent jamais sur les plages. Trois, nous avons une autre espèce de tortue qu'on appelle la tortue verte, Chelonia midas. La particularité, c'est que cette tortue ne pond pas au Bénin. Mais heureusement, cette tortue peut être observée par les Béninois 365 jours l'année. Pourquoi ? Quand vous allez à l'hôtel Eldorado. Oui. Vous savez, il y avait les épis de Siafato, oui. Qui datent de plus de 30 ans. Ces épis, faits de mains d'hommes, ont été colonisés par des algues appétées par ces tortues. Et là, des tortues juvéniles qui seraient nées peut-être au Gabon ou à Sao Tomé ou autre, pour le moment, on n'a pas les précisions de leur lieu de naissance. Ces tortues viennent rester proches de nos côtes. Vous retrouvez des tortues dans le bassin portuaire. Maintenant, depuis 4 ans où le Bénin a fait plus d'efforts dans la lutte contre l'érosion côtière, c'est que jusqu'à la limite de Sémé, vous retrouvez aujourd'hui cette tortue. Et jusqu'à Ouida, on retrouve cette tortue. Ça veut dire que l'installation des granites en mer côtière a créé un habitat nouveau qui attire cette tortue et on en a en permanence. C'est une opportunité pour le Bénin. Et quatrièmement, nous avons la tortue qu'on appelle la tortue imbriquée. La tortue imbriquée. C'est une tortue magnifique, quand vous voyez ça. Malheureusement, elle est la plus menacée en mer. Pourquoi ? Parce que notre mer est trop polluée par des filets abandonnés. Et quand cette tortue se retrouve dans les filets, elle meurt toujours. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces tortues ont écailles. Elles ont des écailles sur le corps, des épines pratiquement. Et quand ça rentre dans un filet, il n'y a pas question. Et quand c'est des filets abandonnés, c'est encore plus grave. La tortue meurt. Personne ne consomme, ces filets attrapent encore des poissons qui meurent. Non, c'est de la catastrophe. Ça veut dire que voilà les quatre espèces que nous avons et qui sont très menacées dans notre pays. Autre menace, c'est que toutes les tortues qui venaient pondre sont systématiquement tuées, consommées par les populations, mais aussi les tortues viennent pondre. Les œufs sont ramassés et consommés. Ça veut dire que l'extinction totale. Il y a des filets abandonnés dans nos côtes. Mais les filets de pêcheurs. Je crois que c'est l'occasion de sensibiliser nos pêcheurs à dire. Nous sommes tous des consommateurs de poissons. Mais les pêcheurs ont beaucoup de difficultés pour aller travailler en mer côtière. Allez voir par exemple les filets que les gens tirent, la scène de plage. Vous voyez le nombre de personnes et quelquefois vous ne trouvez rien. Mais quand vous ne trouvez pas de poissons et c'est tortue seulement qui est dedans, vous voyez ce que ça fait comme effet.
En dehors de ça, c'est que les pêcheurs en mer, quand il arrive qu'ils attrapent cette tortue déchire leur filet. Mais les dispositifs n'existent pas. À cause de leur volume, c'est ça. À cause de leur volume. Quand vous tirez le filet et vous cherchez du poisson, et c'est la tortue rentre dedans, la tortue va se débattre pour sortir. Oui. La tortue déchire le filet. Oui. Tous les poissons s'en vont. La tortue est protégée. Vous voyez, la problématique, c'est trop compliqué. Mais pendant longtemps, on a travaillé pour que les gens prennent conscience pour dire c'est des espèces protégées, il faut les laisser. Mais ils les laissent. Qu'est-ce qu'on fait de leur filet? Et beaucoup de pêcheurs abandonnent même ces filets en mer. Moi, je dis, je profite de l'occasion pour leur dire, j'essaie de le faire, mais je ne suis pas encore toujours compris. Quand vos filets sont déchirés et vous les laissez en mer, qui paie? C'est d'abord le pêcheur. Parce que le filet abandonné en mer continue à attraper tout le temps des poissons que personne ne tire, attrape des tortues et autres espèces. Et là, ça ne profite à personne. C'est pour cela la sensibilisation. Prenez conscience que c'est vous qui perdez. Les filets déchirés en mer, il vaut mieux les ramener à terre. Sinon, on perd. Maintenant, c'est que avoir ces menaces, il y a aussi des menaces naturelles. Si nous n'avons pas de plage, il n'y aura pas de tortues. Parce que les tortues ne pondent pas en mer. Elles pondent sur les plages sablonneuses. Maintenant, si les plages sont... S'il y a l'érosion côtière qui emporte les plages et les vagues viennent toucher les maisons, ça veut dire qu'on aurait perdu beaucoup. Eh bien, petit à petit, on essaie de sensibiliser. Et la question, c'est de savoir, c'est pratiquement on n'a rien fait. Non, on a fait beaucoup. Beaucoup. Si vous voyez l'initiative de la fête des tortues, les journées des tortues, c'est une initiative communautaire qui est venue des éco-gardes. Les éco-gardes sont qui? C'est des volontaires. Après la sensibilisation, les volontaires s'offrent pour dire je veux participer au programme. Qu'il ait été à l'école ou pas, qu'il soit pêcheur ou un riverain, pourvu qu'il s'engage à dire je veux contribuer. Nous donnons des formations, mais je crois que des éco-gardes peuvent être choisis pour enseigner à l'université en ce qui concerne la biologie des tortues. Ils ont été outillés pour ça. Et on leur donne du petit matériel. Je vous dis, ils font des travaux que des universitaires n'ont pas fait. Aucun universitaire ne viendra ici au Bénin pour dire qu'il maîtrise la gestion des tortues marines que les pêcheurs, les éco-gardes qu'on a mis sur les plages. Vous avez vu dans les images tout à l'heure. Je disais tout à l'heure, quand on parle de 18e édition, c'est les éco-gardes qui ont dit, mais nous faisons des activités, tout le monde vient et dit c'est bon, mais personne ne nous apporte rien. Nous réussissons. Avant, on mangeait les œufs. Aujourd'hui, on nous a appris. On prend les œufs, on les met en sécurité, on incube les œufs. Au bout de... Éco-garde peut te dire, mis les œufs en terre. Il va te dire exactement le jour où les bébés vont sortir. Et maintenant, quand les bébés sortent, les éco-gardes récupèrent ces bébés, informent les touristes et avec les touristes libèrent. C'est les touristes qui payent. C'est les touristes qui payent. Et tout Béninois qui vient voir des choses comme ça serait intéressé. Nous avons eu des cas où une tortue a été pêchée et beaucoup de Zim sont venus avec Android, on a prendre photo. On a dit, non, c'est pour la première fois que vous voyez ça. Pour prendre photo, c'est 100 francs. Je vous dis, en moins de 30 minutes, on a récupéré 15 000 francs. Ça veut dire qu'il y a cette volonté. C'est de nouveau. Et là, les éco-gardes peuvent directement profiter. Le Bénin n'est pas le premier pays. Dans la sous-région ou au Brésil avec qui nous travaillons, avec des ONG, mais les tortues participent au développement local. Et là, vraiment, on aura l'occasion de revenir sur ça pour voir on peut en tirer un grand profit. Mais maintenant, avec tout le travail qui est fait, sensibilisation, on est passé à l'étape, vous savez, on a des tests qui réglementent cette activité, qui réglementent la protection des espèces menacées, mais qui ne sont pas suivis. Ah, c'est une tortue noire, c'est ça? Non, c'est une tortue olivâtre. C'est ce qu'on appelle olivâtre, c'est le bébé de tortue olivâtre. Et c'est la tortue la plus commune, la tortue marine la plus commune au Bénin. Mais comment ça se passe que sur les six dans les eaux de l'océan Atlantique, il n'y a que quatre qui sont sur les côtes béninoises? C'est la nature qui choisit. On se pose la question, pourquoi la tortue verte se retrouve ici et à Donatien, dans le bassin portuaire, exactement, alors qu'elle ne pompe pas au Bénin. Ça a quitté loin pour venir. Je veux faire remarquer, nous avons bagué une tortue à Kpakpa, une tortue lutte à Gbozegué, au Roula. 4 ans après, la tortue a été pêchée en Uruguay. Uruguay.
ça veut dire, ça fait 9000 km à vol d'oiseau à partir du Bénin. Uruguay, c'est en dessous du Brésil. Et la tortue a été pêchée sur la plage, proche de la plage de l'Uruguay. Ça veut dire, c'est des espèces qui n'appartiennent pas seulement à notre pays. Beaucoup. Et qui voyagent beaucoup. On appelle les espèces migratrices. Maintenant, si on les protège quelque part, et de l'autre côté, elles sont consommées, on ne donne aucune chance. C'est pour cela que le travail qui se fait nécessite une coopération régionale et internationale. Et c'est dans ce cadre que nous essayons de faire. Maintenant, je disais tout à l'heure, 18e édition, c'est que les éco-gardes ont pris l'initiative pour dire, mais nous faisons ça, tout le monde vient apprécier. Est-ce qu'il n'est pas bon qu'on essaie de faire un événement autour? C'est comme cela que les éco-gardes, d'abord on a commencé à Grand Popo, où les éco-gardes, en prélude à la fête du Vaudou, le 10, vous savez qu'il y a beaucoup de touristes qui vont à Grand Popo, qui passent leur temps et autres, et qui veulent qu'on leur offre des opportunités du tourisme. L'idée est venue, l'idée ne vient pas de Nature Tropicale. Et là, les éco-gardes, nous les avons accompagnés et nous avons commencé par célébrer l'événement. Et qu'est-ce qui se fait? Comme vous l'avez constaté, cette année particulièrement, pour les images de Grand Popo, nous avons eu, comme d'habitude, avec les Anglais. Savez-vous que dans notre tradition, il y a la tradition, à certains endroits, participe à la préservation des espèces. Le cas de Grand Popo, par exemple, qu'il faut saluer, c'est qu'il y a des communautés qui, dans leur culture, ont la tortue comme totem. Si tout le monde était comme ça, on n'a pas besoin de faire de grandes actions sur les tortues. Et vous savez, le dauphin à Grand Popo, mais ça dit, c'est considéré comme Dieu. Je crois, je prie Dieu que si l'année prochaine, on a l'occasion. Il y a des images qu'on a ratées cette année lors d'une cérémonie de vaudou sur la plage du Bécon à Grand Popo. Mais des centaines de dauphins sont venus proche de la côte. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra pour filmer. C'est une cérémonie de vaudou. Et cette cérémonie, c'est des adeptes... À les appeler, c'est ça, hein? Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est des adeptes qui adorent le dauphin. Qui font des cérémonies pour le dauphin. Au Ghana, par exemple, les tortues, dans la communauté Ada, les tortues, selon l'histoire, ont sauvé leurs parents qui étaient en mer. Vous savez, on n'a pas de GPS, on n'a pas du matériel et autres. Les gens sont partis en mer, selon l'histoire. Je l'ai vécu. Je suis parti avec les éco-gardes, où on nous a raconté dans la communauté Ada qu'ils sont partis en mer et leur bac s'est brisé. Ça veut dire que les pêcheurs se sont retrouvés sans bac. Ils sont très loin de la côte et ils n'ont pas l'orientation. Parce que quand vous allez, je ne sais pas, je continue à toujours à dire, je vous donnerai l'opportunité, si Covid permet, en 2022, d'aller en mer pour aller observer d'autres espèces emblématiques, dont les baleines. Et quand vous êtes en mer, sur les bateaux, vous ne savez pas où se trouve le nord, le sud et autres, si vous n'avez pas un GPS. Et là, les gens n'ayant pas de GPS, c'est les tortues qui les ont orientés. Qu'est-ce qui nous a été raconté comme l'histoire? C'est que peut-être c'était la saison de ponte et les tortues doivent venir vers la plage. Selon ce qu'on nous a raconté l'histoire, c'est que les tortues ont dirigé les pêcheurs naufragés sur la plage. Et c'est ça qui les a sauvés. Vous allez dans cette communauté, vous pouvez constater des dépouilles de tortues sur la plage. Personne ne touche. Jusqu'à dire qu'on va toucher tortues vivantes. Les tortues meurent. Ça ne dit rien à personne, c'est-à-dire la mort naturelle ou des collisions en mer. Mais quand ça échoue, on vient faire même des cérémonies. On nous a dit, quand les pêcheurs vont en mer, ils leur filet par mégarde, attrape une tortue, ta pêche est terminée. Tu libères la tortue, tu ramènes le filet pour les cérémonies. Sinon, si tu repars, c'est que tu n'as pas respecté ton Dieu qui a protégé tes parents. Et ça marche. Si on peut travailler à ce que notre culture participe, ce serait bien. J'ai dit tout ça là pour dire au Bénin, nous avons eu des actions et qui ont porté des fruits. Et nous voulons aller plus loin. C'est que depuis 18 ans, la communauté de Révé, à Grand Popo, accompagne la protection des tortues marines en utilisant les embêtants. Et les embêtants, vous savez, chez nous, c'est interdit de lui. Et si tu ne connais pas embêtants, si tu n'es pas dans un, tu ne peux pas sortir normalement la nuit. Si on réussit à mobiliser des gens comme ça pour accompagner la conservation, on irait plus loin. Il y a eu des sacralisations de mangroves et à Grand Popo, à Ouida, et ça marche. Ça veut dire, nous associons à notre culture. Et là, tout le temps, toutes les fois où on fait cette cérémonie
on fait cette sensibilisation sur les, dans les, le cadre de la journée des tortues, c'est que nous avons les Angouetos qui accompagnent. On fait les sensibilisations, on fait défiler à travers la ville, on fait les sensibilisations dans les écoles, dans la mairie et autres. Et ça attire beaucoup de touristes. Et après, ça donne l'opportunité. À la fin, on libère des bébés de façon symbolique, mais ça donne l'opportunité aux touristes d'accompagner les éco-gardes. C'est ça. Et là, ça a commencé. Alors, à travers votre développement, on sent quand même qu'il y a un véritable travail qui se fait pour la bien protection, sûr. La conservation, la sauvegarde de cette espèce. Mais êtes-vous seul, les éco-gardes, votre ONG ou des structures privées à mener cette bataille au niveau de l'État? Y a-t-il des structures dédiées à cela? Ah, je vous dis que je suis très, très satisfait aujourd'hui. Il vaut mieux plus tard que jamais. Nous avons commencé la lutte depuis 98. En 99, les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les pays atlantiques, c'est pas l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire depuis le Cap Cape Town, Afrique du Sud, jusqu'au Maroc, ça fait 14 000 kilomètres. Il y a les mêmes problèmes qui se posent sur toutes ces côtes. La Convention sur les espèces migratrices, qu'on appelle CMS, a pris l'engagement d'élaborer un protocole d'accord, un mémorandum d'accord en tous ces pays pour spécialement la protection des tortues marines. Ça s'est passé à Abidjan. J'ai été le Bénin a été représenté. Un engagement a été pris entre tous les pays pour contribuer à la préservation des tortues. Mais je vous dis, peut-être que c'est pour la première fois que vous entendez, mais ça a été fait en 99. C'est la même situation dans tous nos pays. Nos États signent, mais quand on revient, on passe. Et nous, nos activités étaient basées sur ça. On a dit, nos pays ont pris des engagements pour dire, nous contribuons à préserver les tortues. Mais voilà que des tortues viennent sur nos plages et sont systématiquement tuées. C'est comme ça que nous sommes lancés pour dire, nous allons jouer notre contribution en tant que société civile. Nous l'avons fait pendant longtemps, mais je suis très satisfait aujourd'hui en disant, nous ne sommes plus seuls. Pourquoi est-ce que ce sont seulement les tortues marines qui vous intéressent? Ah non, non, pas du tout. Ce n'est pas les tortues marines qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est comment vivre en harmonie avec la nature. Et pour vivre en harmonie avec la nature, c'est qu'il faut que l'homme comprenne que sans la nature, nous ne sommes pas là. Nous ne pouvons pas vivre, mais la nature peut vivre sans nous. Et les engagements déjà pris. Parce que constituer une menace pour la nature. Les hommes, c'est dit, la plus grave difficulté pour la nature, c'est l'homme. Ce n'est pas les animaux. Moi, je ne suis pas du tout dans les débats des changements climatiques. Tout le monde connaît la nature. J'ai lu des témoignages sur votre site, puisque j'y ai jeté un coup d'œil. Oui. J'ai entendu quelqu'un qui dit que lui, il veille au niveau de la plage, histoire de récupérer les œufs, de les vendre pour se faire un peu de l'argent et nourrir sa petite famille. Donc il y a tellement d'éléments qui expliquent le comportement des humains par rapport à ça. Et ces comportements, nous devons les changer parce que ce n'est pas le Bénin qui a fait les études. Ailleurs, des études ont été réalisées. Et après les études, qu'on voit qu'il y a des menaces, on prend des conventions, des mémorandums pour réglementer. Exactement. Mais l'application pose problème. Et là, je disais tout à l'heure que nous avons aujourd'hui compris, après avoir sensibilisé autant de temps, on a maintenant beaucoup d'acteurs. Est-ce que vous pouvez me permettre de faire le témoignage en disant, en 27 ans de sensibilisation, seulement hier c'était le 19 janvier 2022, pour la première fois, le ministère du cadre de vie et du développement durable vient de mettre à notre disposition du matériel pour accompagner les éco-gardes. Ça, à saluer. On l'a passé dans notre journal. Vous l'avez passé dans le journal. Vous voyez. Avec la réalisation, si on peut revenir sur ces images. C'est voilà. C'est une initiative à saluer. Qui n'est pas venue très tard, mais qui serait venue plus tôt. Parce que dans les autres pays, c'est des actions comme ça qui ont été encouragées. Et pour permettre à d'autres acteurs de s'intéresser à l'activité. Je vous dis, protéger les tortues, ça peut rapporter gros. Vous avez demandé si on fait seulement les tortues. Non, Nature Tropicale est connue pour les tortues, pour les baleines, pour le lamantin d'Afrique. C'est des espèces emblématiques qui ne sont pas connues, mais très menacées, mais qui sont protégées par nos tests. Nous avons réussi à convaincre le ministère à accompagner le processus, parce que ça se fait ailleurs. Mais nous voulons aller plus loin. Vous savez, le premier conseil des ministres de 2022 a posé un acte de portée mondiale qui veut dire la création des aires marines protégées au Bénin. Reconnaissance officielle de l'État. Vous savez, depuis la colonisation,
depuis les colons qui ont créé les parcs Pandjari, parcs W, les forêts classées hautes, on a formé quand même beaucoup de spécialistes au Bénin. Mais pourquoi on n'a pas réussi à créer un centimètre carré de réserve? Vous savez, quand vous avez des petits sous, vous les mettez en banque, en dépôt à terme. C'est pour que ça apporte 2%, 4%. C'est exactement la même chose. Si vous réservez de l'espace pour la nature, c'est pour que ça génère plus de ressources pour vous. Quand on crée des aires marines, on met les dispositifs qu'il faut, c'est qu'il y a des espaces où les poissons vont plus se multiplier et que vous aurez plus de ressources. Vous pouvez mieux protéger les espèces, vous pouvez en tirer profit par l'écotourisme. Ce n'est pas une innovation, ça se passe très bien ailleurs, il suffit de les voir et de les appliquer. Le ministère vient de porter ce coup très positif en accompagnant des ONG qui font la sauvegarde des tortues, qui travaillent sur le littoral. Mais nous voulons aller plus loin. Le Bénin vient de créer des aires marines. Vous savez, on a la réserve de biosphère du Mono. Aujourd'hui, il y a la réserve de biosphère de la basse vallée du Louémé. Il y a des aires marines. Notre souhait, c'est depuis 2000, grâce aux activités soutenues par la coopération néerlandaise à travers le PAS, le programme d'aménagement des zones humides, qu'on a créé ce qu'on appelle les sites Ramsar. Oui. Ici, au Canal 3, là, vous êtes dans le site Ramsar. Ça veut dire que tout le sud Bénin là, est déclaré comme site d'importance internationale pour la préservation de la biodiversité, des oiseaux migrateurs et autres espèces. En réalité, il y a des sites protégés dans le site Ramsar. On détruit tout. C'est dommage. C'est nous qui perdons. Ce n'est pas la méconnaissance des têtes. C'est une démission de nos responsables. Parce que quand vous prenez des thèses, quand vous signez des accords, au niveau international, notre constitution dit que ces accords sont déçus des tests internationaux. Maintenant, vous pouvez adapter ces tests. Maintenant, il faut mettre les moyens pour les appliquer. Ce n'est pas au détriment des communautés. Mais malheureusement, il n'y a pas eu assez d'efforts dans ce sens. Maintenant que le gouvernement a pris un acte, nous, en tant que société civile, nous devons pousser à ce que cet acte puisse être implémenté sur le terrain. Il y a des plans d'action à élaborer, des plans d'aménagement, des plans de gestion qui prennent en compte les communautés, les pêcheurs, les marailleurs, les acteurs qui utilisent le littoral, pour que tout le monde en tire profit. En même temps, la ressource persiste. Et comme ça, on peut aller plus loin. Monsieur Moudiano, c'est vrai, votre présence sur le plateau nous permet de savoir quelque chose après. Quand on parle d'air marine protégée, c'est quoi la matérialisation? Ça se passera comment? Voilà. En français facile, si on dit protégé, ça veut dire qu'on a choisi un espace, qu'on a délimité et on a mis des mesures pour que les actions qui se passent là puissent être réglementées. Vous voyez le port autonome de Cotonou? C'est pas n'importe qui rentre au port. Mais c'est un territoire béninois, non? Tout le monde peut aller là-bas. Vous avez le parc Pandjari, vous avez le parc W. Est-ce que c'est la même gestion? Est-ce que n'importe qui peut aller rentrer dans le parc? C'est exactement la même chose. Mais avant de créer Air Marine, c'est qu'il y avait déjà un autre label qu'on a, la réserve de biosphère. Oui. La réserve de biosphère, on dit man and biosphère. C'est que l'homme est déjà dedans. Tout à fait. Tous les sites identifiés, l'homme intervient déjà là. Tout ce qui va changer, c'est qu'il faut réglementer comment... Et protéger. Non, ce n'est pas protéger. Comment on continue à intervenir? D'accord. Ce n'est plus... Comment? Aujourd'hui, on est content que maintenant, dans les budgets du ministère, on va mettre qu'on va être protégé sur les tortues marines. Avant, ce n'était pas possible parce qu'il n'y a pas une décision au sommet de l'État qui fait une référence sur ça. Et maintenant, quand on parle d'air marine protégée, il y a deux sites. On parle de Donaté. Donaté, c'est derrière l'hôtel Eldorado, derrière l'hôtel PLM, jusqu'à Sémé. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement derrière l'hôtel. Non, non, c'est jusqu'à la limite des paix et autres, où on a placé les épis et autres. C'est que ces endroits-là, les activités qui se développaient doivent être réglementées. Que ce soit l'occupation des plages, que ce soit les constructions des maisons proches de la plage. Parce que pour les tortues, par exemple, si vous avez vos maisons, zone balnéaire, les gens veulent faire leur plaisir, mettre les restaurants. Si vous mettez beaucoup de lumière, aucune tortue ne viendra encore sur ces plages. Ça veut dire que maintenant, on peut ressortir ces aspects qui doivent être réglementés. Il y a la pêche qui se fait à la Seine. Nous avons des images, il y a deux semaines, juste avant les fêtes, où les pêcheurs vont en mer aujourd'hui, parce que j'ai dit, les tortues se sont beaucoup retrouvées proches de la côte, à cause des épis. C'est que les pêcheurs arrivent à attraper 10 tortues en une journée.
C'est pas les bébés tortues, hein. Des grosses tortues, des tortues qui vont jusqu'à 20 kilos, 30 kilos, des choses comme ça. Ils attrapent 5, 10 en une journée. Avant, toutes ces tortues étaient consommées. Mais aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on voit que la sensibilisation a porté. Et quand les pêcheurs attrapent, ils appellent des éco-gardes pour venir baguer et libérer. C'est déjà positif. Mais des gens qui n'ont jamais vu, s'ils viennent pour voir des choses comme ça, ils apportent quelque chose. C'est quoi baguer là? Baguer, c'est tout simple. C'est identifier les tortues. Il y a des bagues, hein, il y a des pinces et des bagues spéciales qui sont utilisées, qu'on met sur la tortue. Et tout à l'heure, quand j'ai dit une tortue baguée au Bénin s'est retrouvée en Uruguay, il y a des aspects. Qu'est-ce qui a permis de connaître que c'est une tortue qui est venue? Le Bénin aussi a ce dispositif là. On a ce dispositif. Pour suivre les tortues. Pour suivre les tortues, oui, ouais, effectivement. Où tu te retrouves, mais c'est intéressant. C'est... Moi, je pensais que c'est seulement sur Shuaïa TV. Ah non, voilà. Et c'est là. Moi, je veux vous dire. C'est intéressant, ça. Canal 3. Moi, je voudrais. J'avais quelques griefs contre les médias au Bénin. Faisons l'effort de montrer ce qui se passe chez nous. Tu as bien dit, c'est sur Ushuaïa que vous faites. Alors qu'on en fait beaucoup, mais personne ne s'intéresse à ce qu'on fait ici. Les gens ont besoin de savoir ce que nous faisons et ça va attirer des opportunités pour nous. Monsieur Baudirel, nous aussi, n'a qu'à faire l'effort de nous accompagner, de se rendre disponible pour que non, on travaille. Nature Tropicale est une petite ONG béninoise. Aujourd'hui, nous portons la casquette de la présidence du comité national IUCN Bénin. C'est 11 membres. Dieu merci, 2022, le gouvernement béninois sera membre. Ah ouais. IUCN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un organisme qui réunit à la fois des ONG professionnelles et les États. Et le Bénin n'est plus membre. Mais cette année, le Bénin redeviendra membre. Ah, et je vous dis, je profite de l'occasion vous dit, c'est des ONG professionnelles sur la thématique environnement. Maintenant, si vous avez besoin d'aide, vous avez des sujets à débattre, si vous nous contactez, ce n'est pas M. Boudirel, en fonction des sujets que vous proposez, on va vous proposer des professionnels, que ce soit des scientifiques, que ce soit des éducateurs et autres, qui pourront animer des émissions avec vous. D'accord. Mais je vous dis, que vous avez des opportunités que vous n'utilisez pas. Je vais vous recommander de prendre la copie de la Convention sur la diversité biologique. Le Bénin l'a ratifié. Le Bénin a signé et a ratifié. Dans cette convention, il est dit dans un article le rôle des médias et comment les médias doivent trouver les moyens pour ça. Mais personne ne l'exploite. D'accord. Ce n'est pas nous qui l'allons le faire à votre place. Et là, les moyens existent. Si vous choisissez. Aujourd'hui, quand on dit changement climatique, on a beaucoup de gens parce qu'il faut aller se balader, passer dans les corps, mais passer des choses qui se passent sur le terrain, au Bénin. Les gens viennent d'ailleurs et disent « Ah, nous avons entendu parler de ceci. » Mais ça n'a pas été relayé. Ils ne savent pas si c'est vrai ou faux. Mais si vos médias, au lieu de nous passer des images qui viennent de l'Antarctique, si vous passez des choses chez nous, on travaillera avec vous. Avec plaisir, nous on est ouvert. On voyagera avec vous le long de la avec plaisir, il y a beaucoup d'ONG qui accompagnent les actions du gouvernement dans le cadre de l'environnement. Super. Et qui font des activités vraiment qui ont besoin d'être relayées. Et nous serons ouverts à une question. On n'a pas eu la chance, on a plutôt bu. Et bien bu d'ailleurs, les interventions et l'élaboration de M. Baudrenou. Oui. À ce moment-là, il y a quelques secondes pour poser une question qui a rapidement été balayée. C'est pour vous demander, les responsables, des structures telles comme ça et tel cas en son temps avec le centre touristique, Bimes exactement, et qui nous propose des tortues. Est-ce qu'entre-temps, c'est fait dans les normes? Est-ce que les tortues, c'est leur environnement? Est-ce que c'est normal qu'elles se trouvent là? Comment est-ce que vous gérez ça? Oui, c'est des questions assez simples, mais qui ont besoin de percussion. On aime, on ne protège que ce que l'on aime. Je dis, vous êtes ici, vous apprenez que quelqu'un vient chercher votre femme quand vous n'êtes pas là. Je crois que vous allez laisser votre job pour aller vous en occuper. C'est ce qu'on aime qu'on protège. C'est exactement la même chose. Nous avons un déficit au Bénin. Et nous avons écrit au président de la République, il faut une éducation transformatrice. Et ça se passe en trois niveaux.
Un, il faut rendre l'éducation environnementale formelle. Les autres l'ont fait, ils sont en avance. Vous allez à une réception, on ouvre une boisson et vous prenez le bouchon, vous le déposez par terre. Quelqu'un viendra faire. Il faut que ce comportement change. C'est dans l'éducation environnementale. Un petit Kenyan n'a pas le même comportement qu'un Béninois quand il voit un serpent. Ça doit changer, c'est dans l'éducation. Ça, c'est formel. Il faut encourager l'éducation informelle. Ça veut dire que les initiatives d'éducation qui se font, il faut les encourager. Il faut que les médias relaient. Ça va sensibiliser. Troisièmement, il faut encourager l'éducation non formelle. Il faut aujourd'hui associer les églises, les mosquées, les couvents. Quand c'est un leader religieux qui te dit « couper un arbre, c'est un péché », je crois que ça passe mieux. Oui. Nous sommes en train de travailler sur cela. Et là, c'est des choses que, sur lesquelles nous devons travailler et nous devons mettre les outils nécessaires. J'ai entendu des débats, quand on parle de changement climatique, des gens vont dire « Ah, c'est parce que les hommes ne veulent pas qu'on se développe. » Qu'ils disent « On ne doit pas, on ne doit pas. » Nous devons faire les choses, mais sans commettre les mêmes erreurs. C'est tout. D'accord. Vous avez posé... Non, là, ça, je ne vais pas répondre à sa question. Je vais aller vite, quelques secondes. Oui. Sa question, c'est de savoir, est-ce qu'ils font dans les normes et autres. Les tests existent pour chaque chose. Donner des facilités aux gens. Et Agualand vient d'être créé. Il y a beaucoup de critiques. Ce n'est pas ceci. Est-ce qu'il a l'autorisation? Oui, mais les tests disent ce qu'il faut faire. Les autres ont créé. Moi, j'ai visité des zones en Europe qui ont déjà 150 ans. Les gens utilisent des animaux africains pour éduquer leur population. Mais l'Africain n'a jamais vu même un éléphant, n'a jamais vu un lion. Mais ton lion est à New York, au zoo de New York. Le président de la son père à son âme, Kérékou, est parti voir un espace réservé pour les tatasoma. Et c'est pour l'éducation. Et c'est les animaux de nos pays qu'on met dans ces zoos-là pour éduquer. Ce n'est pas un animal, deux animaux meurent. Ce n'est pas la fin du monde. Ailleurs, les gens ont fait pire. C'est pour cela, moi je suis dans la conservation, pour respecter les normes et utiliser ces matériels pour éduquer. Et les images que vous avez montrées tout à l'heure pour les tortues, c'est pour éviter ces critiques. Les tortues ne sont pas gardées pour montrer aux touristes et gagner l'argent. Vous avez vu, il y a des images que vous avez trouvées, mais vous pensez que c'est la tortue vivante. Ouais. C'est des maquettes réalisées pour servir d'éducation. Et quand vous voyez la taille d'une tortue lutte pour la première fois sur la plage, vous êtes surpris. Ça peut atteindre ça. Non, ce n'est pas du montage. C'est la taille normale de la tortue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui. Avant, nous faisions la taxidermie. On prenait les peaux des animaux pour monter. Aujourd'hui, nous faisons de la plastodermie. On utilise du plastique pour reconstituer la vie et on peut l'utiliser. Merci beaucoup, monsieur Josia Dossou Bourenou, pour toute cette science hein, que vous avez et que vous partagez avec nous et nos téléspectateurs. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur de Nature Tropicale ONG. Merci d'être passé sur ce plateau, cher monsieur Herman Akimé Assiongon. Merci beaucoup. On va boucler avec la revue de presse à nous préparer ce matin par Narcisse Alossé. C'est parti. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Les décisions du Conseil des ministres font ce jour la une de la plupart des parutions. C'est ainsi que le matinal indique plus de 150 milliards de francs CFA pour les cantines scolaires. La cloche explique que le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial, les ressources nécessaires qui s'élèvent à la somme de 153 milliards 850 millions de francs CFA pour les cinq prochaines années scolaires, soit 15 milliards 623 millions pour assurer l'extension du programme au cours de l'année scolaire 2021-2022, 31 milliards 241 millions de francs CFA pour 2022-2023, puis 29 milliards de francs CFA pour chacune des trois années suivantes. Et pendant que le gouvernement œuvre pour l'extension alimentaire du programme national d'alimentation, des vivres sont détournés à Segmana, à Djawere et Tanguieta, révèle ce matin Bénin Intelligent. En tout cas, note le quotidien Fraternité, les mesures de lutte contre la corruption au Bénin viennent d'être renforcées. Il a été décidé de la mise en place à la présidence de la République d'un dispositif central de recueil de plaintes et ou de dénonciations. Ceci en dépit des multiples actions entreprises
pour lutter contre les faits de corruption et la mauvaise gouvernance, ainsi que des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires qui en découlent. Des pratiques préjudiciables aux ressources de l'État persistent au sein de certaines structures de l'administration publique. Ainsi, tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité, pris en flagrant délit d'acte de corruption, sera purement et simplement dénoncé à la dite cellule d'analyse et après vérification, des dispositions seront prises en vue de sa sanction. Bénin Intelligent renchérit en écrivant que la présidence se dote d'une cellule d'analyse et de traitement et pour le journal, c'est un nouveau tour de vis. En attendant, souligne l'autre vision, au terme de ce conclave hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises au nombre desquelles figure l'abrogation du décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social et de ses démembrements. Et puis le pays émergent annonce que ce vendredi 21 janvier 2022, les députés de la 8e législature entament une visite guidée de la zone économique spéciale de Glodibé dans la commune d'Aboumé-Calavi. Il ne s'agit ni d'une visite de plus, ni d'une balade. Cette descente fait suite à l'interpellation du député Dagbe Soussou, actuel deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui en août 2021 avait adressé au gouvernement une question orale avec débat. Le journal d'ajouter que Dagbe Soussou dit ne pas baisser les bras sur ses prérogatives de représentant du peuple. Dans la suite, Matin Libre, parlant de présentation de vœux, informe que les législatives de 2023 sont déjà d'actualité chez les démocrates. À en croire le journal, le parti renouvelle son soutien à Madougou, à Ivo et compagnie, et à un an de la fin de la 8e législature, Fraternité écrit que sur le plan politique, dans les états-majors des différentes formations politiques, c'est l'heure des grandes interrogations déjà, vu que peu de partis politiques sont représentés à la 8e législature. Elles sont entre autres relatives aux dispositions à prendre, surtout par ceux qui s'étaient sentis exclus en 2019, pour s'assurer d'être cette fois-ci dans le starting block de la course au palais des gouverneurs. Au nombre de ces partis, il y a ceux de l'opposition, notamment Restaurer l'espoir de Candide Azanaï. La FCBE est aujourd'hui divisée en deux tendances avec l'apparition de Les Démocrates, puis la Grande Solidarité Républicaine d'Antoine Guédou. Justement, parlant de participation législative de 2023, Les Démocrates ont assuré hier leurs militants quant à leur détermination à être sur la ligne de départ des dites élections qu'ils souhaitent transparentes. Sans aucun doute, si les démocrates et les autres regroupements de l'opposition, qu'elles soient constructives ou radicales, veulent continuer de porter les espoirs d'une alternative au régime en place, les prochaines élections sont celles de la deuxième chance. Journal de Titré quitte au double pour l'opposition les grands enjeux du prochain Parlement de transition. Merci d'avoir suivi la revue de presse.
Et voilà, c'était la revue de presse suivie de la météo avec notre partenaire Météo Bénin. Merci à chacun et à tous de votre attention. C'était la matinale chez vous, Actu Matin. C'est terminé. Très bonne journée du jeudi. Portez-vous bien, gardez votre sourire. Au revoir.